L'évangile de ce mercredi, Jésus nous donne cette parabole, d'abord de celui qui veut construire une tour et qui commence par s'asseoir pour voir s'il a les moyens de construire cette tour. Il y a aussi ce roi qui, avant de partir en guerre, lui aussi s'assied, prend le temps de la réflexion pour voir s'il a de quoi battre son ennemi. Prendre le temps de s'asseoir. On pourrait dire que, avec le confinement qui recommence, ce temps-là nous est aussi donné. Nous sommes une bonne partie du temps confinés chez nous. Nous allons vivre ce temps de retrait, ben on pourrait dire oui, comme une grande retraite. On peut le vivre comme une grande retraite spirituelle aussi. Un temps pour s'asseoir et se mettre en présence du Seigneur. Et Jésus, spécialement dans l'évangile d'aujourd'hui, nous invite à faire un peu le point, le bilan sur notre vie de disciple, parce que c'est ça qui est en jeu. C'est la condition du disciple. Alors quand on lit l'évangile de ce mercredi, évidemment, il y a beaucoup d'exigences. Il s'agit de ne rien préférer au Christ lui-même, même pas sa famille, même pas sa vie. Si exigeant que dans le texte hébreu, on parle même de haïr les siens, de haïr sa vie à la suite du Christ. On comprend bien évidemment qu'il ne s'agit pas évidemment de dénigrer la famille ou la vie, mais qu'il y a une priorité absolue donnée au Christ dans la vie du disciple. Alors prenons le temps de nous asseoir, puisqu'on en a du temps, dans la prière, nous mettre devant Jésus, et pour nous y aider, on peut se placer devant un crucifix, devant une icône du Christ, et plaçons-nous comme un disciple qui cherche à répondre à son appel, à être disponible à son appel. Et puis, à partir de l'évangile d'aujourd'hui, prenons un peu de temps aussi pour regarder notre vie de chrétien, faire un peu le point. Quand suis-je vraiment chrétien, disciple de Jésus? Un peu avant les examens, en allant mettre un cierge à Sainte Rita, en allant de temps en temps à la messe, en profitant aussi pour rencontrer un tas de bons amis, ce qui est une très bonne chose, mais... Ou suis-je chrétien par toute ma vie? Suis-je disciple dans toutes les dimensions de ma vie? Et suis-je prêt à offrir à Jésus tout? Pas seulement un petit moment par-ci, par-là, pas seulement cherchant une petite consolation dans la foi, dans la vie chrétienne, mais en lui offrant tout. Lui offrir tout, ça ne veut pas dire perdre tout. Ça veut dire mettre une confiance si grande en lui, Jésus, que je sais qu'il va me tracer un chemin de vie, un chemin d'amour, le chemin où je vais m'accomplir pleinement, pas seul, avec l'Église, avec les autres. Ce n'est pas pour perdre ce que j'ai que je vais suivre Jésus, mais c'est pour le donner, pour que lui puisse faire de ce don un foyer d'amour, pour être son disciple, pour le suivre, y compris jusqu'à la croix. Il s'agit bien, dit Jésus, pour être son disciple aussi, de porter sa croix, d'accepter même, en son nom, à cause de lui, des opprobres, des contradictions, mais à cause de lui, par amour, comme lui. En fait, c'est ça le sens profond aussi de l'appel de l'Évangile, de l'appel du Christ. Se mettre à la suite du Christ comme disciple, c'est chercher avec son Esprit Saint, à vivre comme lui, à aimer comme lui, à sa manière. Cela le conduira à se dessaisir de tout sur la croix pour manifester l'amour de Dieu, pour le donner aux hommes. Sommes-nous prêts, nous aussi, à le suivre sur le chemin de la croix, à nous dessaisir, à donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, par amour, pour faire rayonner sa vie aujourd'hui.